Connaissez-vous le frelon européen? Ça ressemble à une guêpe, mais c'est beaucoup plus gros. En fait, si ce qu'on vous dit vous fait peur, eh bien, préparez-vous. On pourrait bientôt en voir dans la région de Montréal. Catherine Bouchard. Vous avez peut-être remarqué dans votre jardin cet insecte. Le frelon européen gagne du terrain au Québec. Deux fois plus gros qu'une guêpe indigène, il peut sembler intimidant. Les premières observations en Ontario 2016-2017, et puis 2019 pour le Québec. Donc, c'est très rapide. Et puis, ils vont se rendre dans la région de Montréal là, dans une ou deux, maximum trois années, on devrait les voir. Donc. On arrive au mois d'août, puis on veut manger sur une terrasse, là. Puis il y a beaucoup de guêpes, c'est incommodant, ouais. Je me ferais piquer. Ça vous stresse pas plus que ça? Non, pas vraiment. Pour les personnes qui sont sur les terrasses et qui ont besoin de prendre une petite bière au chaud, les guêpes sont vraiment annoyantes. Les guêpes indigènes mesurent entre 7 et 18 mm, en incluant les reines, alors que les frelons européens sont entre 18 et 25 mm, jusqu'à 40 mm pour les reines. Les risques sont donc plus importants pour les personnes allergiques si elles se font piquer. Une piqûre d'abeille ou de guêpe pour une personne qui peut faire une réaction anaphylactique peut vraiment en mourir ou vraiment aller à l'hôpital. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle sorte de piqûre. Une piqûre de frelon européen, là, un petit peu plus fort, un peu plus douloureux qu'une piqûre d'abeille à miel, d'abeille domestique. Là. Avec les changements climatiques, guêpes et frelons seront de plus en plus présents. Les hivers qui sont un peu plus courts, plus doux, les printemps très chauds. Et ça, c'est parfait, en fait, pour les guêpes en général. Et donc, bien, le frelon européen aussi. Et attention aux gestes brusques avec ces insectes. Ce qu'on peut faire, c'est prendre sa serviette de table et bloquer la vue à la guêpe. Donc, elle va voler, elle va faire du surplace. Ce qu'on veut faire, c'est lui faire voler en surplace le plus longtemps possible. Et à un moment donné, elle va manquer d'énergie et va aller voir ailleurs. Et c'est d'ailleurs le moment de l'année de retirer les nids avant qu'ils ne deviennent trop incommodants. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.